Allez, prise numéro 42. Salut à tous, c'est Mafia Stunting. J'espère que vous allez bien. Moi, je suis dans un état lamentable. Je peux m'éteindre à tout moment dans cette vidéo. Je vous explique tout ça après. D'abord, vu que vous aimez bien jouer, j'ai une nouvelle devinette. Devinez le modèle au capot. Non, je rigole. Ça va être dur. Devinez le modèle au bruit. Comme la dernière fois, sauf que cette fois-ci, ça va être un peu plus dur. On monte un peu en difficulté. Elle faisait un bruit terrible! Alors, je vais pas vous mentir, hein, ça a l'air difficile à trouver comme ça à l'arrêt, donc je vais aller accélérer en ligne droite. Bien sûr, celui qui trouve, il a une dédie du futur. J'espère que vous êtes de fins connaisseurs. Un ou deux petits indices, sinon ça va être chaud. Elle fait 500 chevaux. C'est une Lotus Elise. Non, c'est faux! Tu vois déjà le départ! Alors sachez que c'est un des plus beaux bruits de moteur, comme la dernière fois avec la Lexus LFA. Sauf que là, c'est un peu moins prestigieux comme voiture quand même, faut pas abuser. Bonne chance à tous! Alors celle-là, c'est une nouvelle auto que je viens de gagner. Je suis super content de vous retrouver sur Forza, ça fait longtemps que j'ai pas joué au jeu. Vu que je diversifie les vidéos, bah ouais, j'y joue un peu moins que ce que je voudrais. Bon, sinon, je vous disais, ça va pas fort fort de mon côté. Je me suis fait une petite entorse la semaine dernière. Je suis complètement malade, ma maison a brûlé et ma voiture a explosé. Soutenez-moi avec un petit pouce bleu, là j'en ai besoin. Les deux premiers, c'est pas des conneries. Non, ma voiture va bien, heureusement. Stunt direct. Ouais. Je vais baptiser la voiture. Non. Joli bruit quand même au rétrogradage. Donc elle s'appelle comment elle? Je sais même pas en fait. On va l'améliorer et faire les défis saisonniers. Il y a eu la conférence Xbox et ils ont annoncé le prochain DLC Forza. Ça va être l'extension Lego. Non, je rigole. C'est pas celle-là. Non, cette fois ça va être la vraie extension bien stylée comme dans Forza Horizon 3. Et je me rappelle plus le nom. C'est les trucs là où vous allez dans les machins et ça revient. Ah, on va l'améliorer. 175 000, 10% de ma fortune, dans un réglage. Accrochez-vous, parce que là, elle est beaucoup plus stylée. Oh, c'est incroyable. 1435 chevaux. C'est une Formule 1, quoi. Ah ouais, d'accord. 220. Stop. Au fait, ratez pas le concours Instant Gaming, un jeu gratuit à gagner. Pour ça, c'est tout simple, le lien est en description. Vous mettez votre jeu, vous attendez la fin du décompte et vous voyez si vous avez gagné. Bonne chance à tous! Mais c'est quoi ce missile? La voiture la plus rapide de mon garage jusqu'à présent. Et ça drift, regardez ça. Non mais c'est véritablement un monstre celle-là. C'est le monstre du Loch Ness. Normalement, on devrait réussir 2-3 petits radars. Coup de pub saisonnier. Vous vous rappelez, on faisait ça dans Forza Horizon 4, c'était sympa, j'aime bien. Ça met du challenge. Ok, on commence avec celui-là, colline aride. Attention à ne pas croiser Hagrid. Ça va vraiment être dur. Bon bah on est déjà à 320 dans le virage. D'accord, ça devrait pas être trop compliqué au radar. 360, voilà, salut. Ah mince, mauvaise voiture. Non, je peux pas le faire avec ma nouvelle voiture. Qu'est-ce que vous me chantez là? BMW M5 2018. Mais qu'est-ce que vous me restrictez les trucs? Je me disais que c'était facile aussi. Problème, je ne l'ai pas cette bagnole. Bon, je vais aller l'acheter. On est là pour se marrer après tout. Tiens, 3 tirages. Peut-être que je vais la gagner dans ces 2 petits derniers tirages. Fous de moi ou... Ah, ça c'est énorme. Superbe. Eh, j'espère qu'il faut pas une voiture différente à chaque radar. Hein. Salon des bagnoles. 600 chevaux, 105 000. Allez, je la prends. Je vais la prendre de couleur renard des bois. Quand faut flamber de l'argent, vous pouvez toujours compter sur moi. Non, mais non, c'est vrai, dans Forza Horizon 4, j'étais radin. En fin de compte, j'ai 70 millions que j'ai pas dépensé. Alors là, on va dépenser. Je suis en pleine vidéo, donc non. Non mais on me réquisitionne pour aller ramasser les cerises. Voici ma M5 2018 prête pour le challenge. Je vous ai pas dit ce qu'on allait faire aujourd'hui. Un petit top 1, voilà. Allez c'est parti, on y va, on fait tout péter, les 320. Ah ouais là ça va être un peu plus chaud quand même, j'espère qu'on va y arriver. 310, oui avec la descente. J'ai pas vu. Ah mais c'est une vaste blague. À chaque fois que je fais un putain de radar, il me reste 1 km/h. 1 km/h. J'y retourne. On va le prendre dans l'autre sens. Non, là, ça l'a pas fait. Faut le prendre dans l'autre sens. Ah. Putain, mais hey, faut arrêter là. J'ai mes yeux déjà qui sont assez en dehors des orbites. Avec ce rhume, là, va falloir arrêter. Je vais prendre 6 km d'élan. Putain, ben enfin, c'est bon, on l'a fait. Ouais, le super tirage, il a intérêt de me donner un bon truc celui-là. Ah,
On vient de rater la Sesto Elemento Forza Edition. Mais c'est pas vrai, mais j'en ai de la chance. Encore un tirage, vas-y. Fais péter un truc. Voilà, merci. Bon, c'est pas fini parce qu'il m'en reste deux à faire. Oh non, il faut une autre voiture. 911 GT3 de 2004. 911, mais je n'ai pas la marque 911 dans mes... Je n'ai pas cette marque. J'essaie d'être drôle, vous comprenez. C'est pas toujours facile. Bon, bah on est parti pour aller l'acheter. Non, mais j'en ai marre. Non, mais c'est bien, c'est pas grave. Ah, 65 000, ça va. Allez, jaune comme la pissenlit. Oh ouais, hey, celle-là, si je pouvais me l'acheter en vrai, je la prendrais. Bah pourquoi pas, j'ai le droit quand même. J'ai pas l'argent, mais j'ai le droit. Offrez-la moi, s'il vous plaît. Oh, ça fait un beau bruit, c'est magnifique. Par curiosité, j'essaye avec la voiture d'origine. La deuxième, allez, ça rame un peu, mais bon, c'est quand même pas mal. On arrive bientôt aux 200 km/h. Regardez la neige sur la voiture, c'est trop bien fait. Allez, c'est parti, 300 mètres, on va le faire. Non. Il manque 100 mètres, je passe au garage. Later. Normalement, là, ça va aller beaucoup mieux. Ah ouais, c'est pas la même, hein. 4 roues motrices, 900 chevaux. Le saut va être dément, c'est parti. Wouhou! Oh yes, on va les faire, mais tranquille. 406 mètres. Ouais! Ils font le saut de la falaise. Falaise enlevée, c'est rocher, eux. Non. Chevrolet ZR2. Nul! L'Opel Manta 400 en B700. Cette marque est portée disparue dans mon garage. Opel n'existe pas. Opel Manta 100 000. Ah, quand même. Ah ouais, c'est du lourd, ça. Bien à l'ancienne. Grosse voiture de rallye. Et qu'est-ce qu'il nous propose avec un défi sur route? Les jantes sont magnifiques. Là, ça va être un radar de section. Il va falloir piloter. Ouais, il est bien pris, celui-là. Joli. Celui-là, il va être chaud. Je rétrograde comme à Petrograd. Est-ce que je l'ai fait? Tu veux l'annoncer ou je m'y colle? Mais qu'est-ce que... Mais laissez-moi tranquille, je voulais voir si j'avais fait le truc. Oui, on l'a fait! Tous les trucs saisonniers, le super tirage. Si on te faisait entrer au temple de la renommée. Wow! Oh, je peux rentrer au temple de la renommée! On va enfin pouvoir toucher la fameuse récompense d'il y a 4 vidéos. Du coup, j'ai gagné un tirage, on va le faire en premier. Oh! Hein? Mais vas-y, mais vous me saoulez aujourd'hui. Si j'ai pas un bon truc dans le super tirage, je quitte cette vidéo. Voilà, non merci. On est de retour à la Vauchot, je vais aller chercher ma récompense. Bon, tu sais quoi? Je suis sûr qu'il est là, vers la droite, tout droit. Ah! Oh! Attends! Attends, mais c'est qui le boss? Putain, mais il brille comme un... C'est une belle auto, ça. Je vais la remettre en état. Ouais, dépêche-toi, hein, et tu me l'amènes à mon chevet. J'ai le droit de parler comme ça. Bon, bah ça, c'était du rapide, on a gagné un tirage. Oh, y a un Warthog. Ouh, le Trophy Truck, c'est bon, ça. Ok, j'ai un dernier truc à faire avant de passer à ce qui nous intéresse, l'Eliminator. On va passer à ça. Oh, ça va être stylé, ça. Des jet-skis dans Forza. Et je veux en conduire un. Moi aussi, je veux faire ça. Qui le cru? Oh, stylé. Bon, bah, on va faire la course contre des jet-skis aujourd'hui. Ça, c'est les principaux trucs de l'aventure. Ça fait bien progresser le jeu, hein. C'est ce genre d'épreuve, c'est pour ça que je l'ai fait. Et puis, je l'ai fait en vidéo parce qu'elles sont assez travaillées. Course contre les jet-skis, c'est pas tous les jours. C'est parti. Wouhou. Et puis mine de rien, c'est un petit challenge quand même où il faut pas se rater parce que ça se joue à quelques secondes vers la fin. Pour l'instant, c'est une conduite sans faute, ça fait plaisir. Bientôt les 50%. Bon, c'est vrai que le jeu, il faut le dire, il a des graphismes avantageux. Même si la map est certes un petit peu vide au premier abord, la beauté du jeu rattrape quand même bien les choses. Alors les biquettes, si vous voulez me rejoindre en online pour faire des vidéos avec moi, eh ben venez parce que je me sens bien seul ces temps-ci. Attention, j'arrive à la dernière ligne droite, les 10 derniers pourcents. Wouah, c'est vraiment beau, hein. J'ai intérêt de la gagner, j'ai pas envie de me retaper tout ça. Allez, vas-y, s'il te plaît. Dépêche. Oh, je leur passe juste devant là encore. Comme la dernière fois, ouais. Oh, c'était super chaud. Mais attendez, ça s'est joué à combien là? 2, 21, 712 et 887. Waouh. Eh ben, vous savez ce que ça veut dire. Atelier de peinture et pâte à modeler. C'est marrant, tu sais. Les deux précédents, il me semble que j'ai fait premier et l'autre, j'ai fait top 10, je crois. On va essayer de refaire premier aujourd'hui, ce serait incroyable.
Arrête de gueuler comme ça. Il me stresse, lui. Ok, vite, il faut que je choisisse un lieu. On avait dit surtout pas la ville. Alors, je vais prendre un truc qui change. Une seconde, vite. Je me mets là. Je sais pas où j'ai fini. Oh non, je crois que j'ai pas eu le temps de cliquer. Il faudrait peut-être qu'on étudie la map avant de se larguer, quand même. Ça m'a fait apparaître là où j'ai demandé. Ça ne serait trop demandé. Alors, je vais directement aller du côté de l'aéroport qui est à côté de moi. Il y a sûrement une fumée. Ouais, normalement, il est censé y en avoir. Là-bas, il y en a une, je crois. Oh là là, attention, parce que l'arène, elle est loin. La fumée est là-bas et le truc se rétrécit. Ah, c'est le stress d'entrée de jeu, là. Allez, un petit level 3, je prends. C'est quoi, ce machin? Oh là là, que c'est... Non, mais j'en veux pas. Bon, ça fait un joli bruit, mine de rien. J'arrive presque dans l'arène. Trouvons une fumée. On va prendre un peu de hauteur. Ça va nous aider. Attention, il y a un opposant juste en face. Ça y est, j'arrive au sommet. Très bien, très bien. Putain, mais il n'y a aucune fumée sur les 30 km à la ronde. Non, mais il y en a une, elle est à 12 km. Vite, je décampe d'ici. Il n'y a absolument rien dans cette zone. Je suis en train de m'embourber dans mon rhume. C'est pas possible. Oh, attention, attention. Je me fais courser par un grand malade. Il a un super 4x4. Hip, 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 et je me casse. Ouais, bah, tant mieux. Ouais, fais ça, t'as raison. Non, non, mais là, je veux pas de problème, moi. Foutez-moi la paix. Non, pas un niveau 2. Ça fait une demi-heure que je roule avec ce niveau 3, les gars, là. C'est une catastrophe. Je n'ai rien trouvé. Ah, peut-être ici. Oh oui. Oh là 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 là, niveau 5, Bronco Air, les gars. Oh my god, ça, ça va faire plaisir. Oh, avec ça, on va être bien en tout terrain. Non, non, non. Oh, c'est un niveau 7, le mec. Ah, je suis dans la merde. Oh, c'est pas grave, je suis parti dans la bonne direction. Imaginez, je le gagne. Je prends son niveau 7. J'ai pas le temps de respirer aujourd'hui. À peine je récupère mon Bronco, le niveau 7 me prend en duel. Je vous explique même pas le coup de chance que c'est pour que j'aille dans la bonne direction au pif. Je savais même pas où était la zone. Alors cependant, restons prudents quand même parce qu'il reste 1 km et il est pas non plus très loin derrière. Oulala, attention à la bosse. Oh, ça décolle, mais je crois qu'on va y arriver les doigts dans le nez. Ça y est, j'y suis. Ouais, c'est gagné. Ouais. Oh les gars, ça se présente bien là. Ok, je vais prendre le Jeep Trail 4 niveau 7. Le truc qui est super haut sur roue, super rapide pour le tout terrain, ça va être dingue. Bon, je vais quand même rechercher 2-3 fumées, on sait jamais. Bon, niveau 2. Oula, attention, attention, il y a un concurrent derrière. On n'est plus que 17, je commence à être un peu en stress. J'espère juste ne pas tomber sur un mec qui m'élimine avant la finale. Donc on va rester tranquillou de notre côté. Ah, par exemple, lui là, celui qui arrive derrière moi, je le sens pas. Oh là là, il a une super caisse en plus. Arrête où je klaxonne. C'est bon, il a disparu de mes radars. Ah non, non, mais là, je fais ma petite biquette, mais je veux pas jouer de duel, j'ai pas envie de me faire éliminer. Oh là là, attention, attention, il y a du monde devant moi, il y a du monde. Ah yes, ils vont se défier entre eux, ouais, parce qu'ils ont vu que j'étais niveau 7, à mon avis, ils veulent pas tenter le diable avec moi. Tiens, une petite fumée là-bas. Eh, c'est quoi cet endroit? Alors attention, un nouveau concurrent aux abords. Eh, j'ai jamais vu ce truc-là. Une scène nuptiale. La finale dans 2 joueurs éliminés. Je vais aller m'extérioriser de manière philosophique de ce centre de la carte. Maintenant, je peux faire un petit somme. A tout à l'heure. Bah quoi, je n'ai rien d'autre à faire. Les fumées sont jamais plus de niveau 7, de toute façon. Attention à celui-là. Attention, mon ami. Yes. Ça y est, je suis dans la finale. Oh non. Eh, la manette, la manette. Imaginez, ça me fait ça dans la finale, les gars. Donc l'arène se resserre. On n'est plus que 9, ça va commencer. Donc je vais partir de l'autoroute pour avoir un bon point d'accroche au départ. Non mais fous-moi la paix, mais il n'y a plus le... De toute façon, il n'y a plus. Alors je me fais prendre en défi par un gars, mais ça sert à rien, l'arène va se terminer. Attendez, attendez, parce qu'il me rattrape et le truc est devant. Oh my god, ne te fais pas éliminer Gaël, s'il te plaît. C'est... Ah, attention, oui. Je l'ai eu. Oh putain, je l'ai eu. Oh, il a voulu jouer, je l'ai battu au dernier moment. Oh, ce stress. Je vais prendre la métro, vas-y, je prends la métro. Bon, du coup, je passe sur un niveau 8, pourquoi pas. Mais je sais pas si j'ai bien fait de prendre ce truc. Oh non, il est super bas, le machin. Ça y est, la finale va commencer, vite. Il faut que j'aille sur l'autoroute. On est 7ème pour l'instant, c'est incroyable. Affrontement final dans 30 secondes, c'est maintenant que tout se joue. Il faut que j'analyse la carte et que je sache où partir. Je prédis que la zone devrait être normalement par ici, la zone à atteindre. Donc je vais partir tout droit sur l'autoroute. Normalement, je devrais avoir un bon point d'avance sur les autres. Qu'est-ce que tu fous? Arrête, fous-moi la paix. Attention. Allez, 3, 2, 1. C'est parti, j'y vais en premier. Ils me suivent. Vite. On y va, je suis parti en premier comme d'hab et j'ai eu raison, la zone elle est juste en face. Oh non, je suis déjà en vitesse max, c'est quoi ce véhicule pourri? L'autre il a une Bugatti, c'est pas possible. Oh non, vite. Je vais te couper à travers champs, j'ai pas le choix, cette métro est limitée à 200 km/h, c'est infernal. Oh, il a fallu que l'autre il ait un niveau 10, Bugatti. Bon alors il a bien joué, hein. Bien éliminé ses opposants je pense dans les duels. Je vais essayer quand même de le gagner en coupant à travers champs, mais là... Allez les gars, on y croit quand même, j'y crois jusqu'au bout, peut-être qu'il va faire une...
une erreur, se retourner, j'en sais rien. Attention, j'ai une petite montagne devant moi, c'est pas possible. Ah, regardez, il est à l'arrêt, il est à l'arrêt. Imagine, je le gagne, non mais ce serait complètement dingue. Hey, il est coincé! Je rigole pas, il est vraiment coincé, il y a peut-être moyen que je le double. Les gars, si je gagne une Daivo avec ma petite voiture, ce serait légendaire. Mais je crois que je suis mal, je viens de tomber du pont. Oh non! Oh la catastrophe! Vite, 700 mètres! Allez, on se dépêche, les gars! Est-ce que c'est le top 1 pour aujourd'hui? Allez, allez, vas-y, s'il te plaît. Il a toujours pas fini, il doit avoir un problème, lui. Oh non! Oh, ça y est, c'est fini. Il a réduit à néant nos espoirs quand je l'ai vu partir avec la Daivo sur l'autoroute. Mais les gars, c'est quand même une magnifique performance. Deuxième. C'est quand même vraiment magnifique. Je suis super content de moi de faire deuxième avec cette pauvre petite MG. On a bien prédit les zones et tout. Ça mérite un très beau super tirage. 37 000 XP. Yes, ça fait plaisir. Eh, le roi Biquette a quand même pas trop mal joué. Petit tirage. Superbe. Putain, je peux enfin respirer. Non, mais c'est très stressant, ces petits éliminateurs. Pour un jour où je suis malade, où j'ai la cheville qui me fait mal, où vous allez mettre un pouce bleu en plus en masse. J'en veux 40 000 les biquettes pour cet éliminator. C'est pas fini, on va finir la vidéo en beauté avec 4 derniers tirages. Attention, c'est parti, le quatrième. On espère tomber sur une voiture Forza Edition. Allez, s'il vous plaît, à la fin là. Raptor 2017. Numéro 2, on va voir s'il peut passer. Non, mais c'est nul. Allez, encore un, mais vas-y. Fais péter le truc, j'ai fait deuxième à l'éliminator. Ah ! Eh, le dernier, je vous jure, vous allez me faire péter la voiture Forza Edition, là, c'est obligatoire. Mais quelle poisse ! Ok, très bien, j'en ai d'autres, je m'en fous. Oh, il y a la Sesto Elemento, Forza Edition. Ah ! Putain, mais c'est pas vrai ! Mais on va tout rater, là. Mais vas-y, fais péter le truc ! Arrêtez! Eh, hey, mais c'est à se tirer les cheveux, le truc! Toutes les voitures Forza Edition, elles passent à une case! Je m'en fous, je refais tous mes super tirages! Ah, la McLaren F1 GT maintenant! Mais c'est pas vrai! Mais je vais péter les plombs! Chapeau de cow-boy en paille! Mais mange-la, ta paille, grosse biquette! Ouais, mais même la Porsche 918, elle me passe sous le nez, mais vas-y. Il me reste que 4 super tirages, je voulais les garder pour les prochaines vidéos. Bah, j'en ai rien à foutre, je passe tout. Voilà, allez, 5000, ouais. Je continue. Ouais, mais c'est nul. Encore 2 et après, c'est fini. Mais la Valhalla Concept, je passe à côté. Je passe à côté de tous les trucs légendaires et Forza Edition, mais vas-y. Allez, salut!